Je savais qu'il finirait par te faire venir. Tu n'as rien à faire ici. Mon devoir ne se limite pas aux frontières de ma dimension. Je suis le sauveur de ce monde. Je le protège. C'est ce que tu crois faire? Les protéger? Les enfants désobéissants seront punis. Des enfants? Tu n'es pas un dieu, ce n'est pas à toi de décider qui doit vivre ou mourir. J'ai ce droit! Je l'ai depuis que Joker m'a transformé en arme de destruction massive! Je sais ce que tu ressens. Et tu me juges? Quand je t'aurai tué, j'amènerai Loïs ici. Quand elle verra à quel point j'ai perfectionné ce monde, elle sera effrayée et écœurée. Elle sera en vie! Sa mort ne justifie pas... Il me l'a volé! Tu as volé la liberté de ce monde! Il est temps de la lui rendre. Ton règne est terminé. Tu ne terroriseras plus les habitants de cette planète. La peur est la seule chose que comprennent les gens. Un jour, tu le sauras. Les complices de Superman ont été pris, ou se sont rendus. Maintenant, il faut rétablir l'ordre civil. Le gouvernement provisoire a fort à faire. Nous l'aiderons s'il le veut. Merci, mais non. Les gens doivent savoir qui dirige, et pas nous. Alors tu n'as pas changé d'avis? J'apprécie l'offre du président, mais je n'ai pas ma place au gouvernement. Aucun de nous. Tu penses que Batman a de l'avenir ici? Le crime et la corruption reviendront. Oli m'aurait trouvé pessimiste. Je suis juste réaliste. Et votre Superman? Il sera jugé. Avec ses complices. Il avait raison.
À quel sujet ? Dans la même situation, j'aurais peut-être fait pareil. On ne sait jamais de quoi on est vraiment capable. J'espère pour ton monde que tu ne le sauras jamais. Garde bien ça à l'esprit. Quoi ? S'il se passe quelque chose, et que ça t'arrive, je m'occuperai de toi. Il faudra faire la queue.